De fait, elle représente l'action actuellement du gouvernement de ce pays, qu'elle veuille ou non, puisqu'elle ne se présente pas en son nom propre, mais elle se présente bien avec un drapeau. C'est un pays qui gagne ce concours. Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister ? Pardon ? Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister ? Mais c'est quoi cette question qui n'a aucun sens, qui est même offensante ? Vous dites qu'elle représente un pays qui n'a pas le droit d'être là. Mais ça n'a aucun rapport avec le droit d'exister. Quand la Russie a été exclue de l'Eurovision, est-ce que ça voulait dire qu'on ne voulait plus que la Russie existe, qu'elle disparaisse des cartes ? Oui, mais il y a eu le 7 octobre, là. La Russie n'a pas été victime d'un attentat. En fait, vous êtes en train de m'expliquer, non, mais... bien, comme vous le faites sur tous ces plateaux, qu'il y a eu les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, et qu'en raison de cette attaque, Israël peut désormais tout faire. Ah, Émeric Caron face aux hypocrites de BFM TV, c'est magnifique à regarder, ou pas du tout. Quand on voit que la première intervention qu'il a face à lui, c'est une personne qui lui dit « Vous pensez qu'Israël n'a pas le droit d'exister ?» C'est vraiment le niveau zéro de la réflexion intellectuelle. Personne n'a dit ça, c'est surtout pas ses propos. C'est vraiment le niveau catastrophique d'un débat qui repose sur rien du tout. Quand t'as pas d'argument, quand tu dois protéger tes intérêts, eh ben ça donne ce genre de débat. Regardez, je vous montre une autre séquence magnifique. C'est incroyable, regardez. Pour que cette horreur s'arrête tout de suite, pour qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, il y a une solution. Le Hamas se rend. Ils sortent les mains en l'air de leur tunnel. Le Hamas, ils libèrent les otages. Ils auront un procès équitable. Wow. Personne n'avait pensé à ça. En fait, ils feront une grande ronde et après, ils feront des câlins de l'amitié. C'est magnifique. En fait, ça, c'est l'écharpe de l'intelligence. Ils le portent tout le temps. Que des bonnes idées. Ou peut-être c'est l'écharpe qui sert à cirer les pompes de Macron. Je sais pas, faut choisir. Vous vous rendez compte du niveau du débat pour me sortir une connerie pareille. Allez, encore une autre séquence pour vous montrer que ce débat était catastrophique. Le Soudan, c'est rien. Vous ne voulez pas... Ils sont noirs, ça vous ennuie. Attendez, il y a un truc qui est... L'opinion américaine n'a pas complètement changé. Il y a un sondage incombé aujourd'hui même qui dit que... Immonde. Des enfants amputés. Qu'il se passe des... Attendez, laissez Émeric Caron parler. Qu'est-ce qu'ils sont effrayants, ces bourgeois radicalisés. Je sais pas quelle substance ils prennent, mais vraiment, elle est puissante. Il faut que je remette mon brushing en place. Non, mais je vais pas vous mettre toute la séquence en entier, je vous montre quelques séquences. C'est vraiment des interventions inutiles, représentées par des personnes minoritaires, avec des avis purement subjectifs. Et après, ils se font appeler journalistes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, toujours dans le respect, mais c'est compliqué avec ces gens-là, c'est compliqué avec ce genre de débat. Ils n'arrivent pas à relever le niveau intellectuel BFM TV. Ils sont là avec leurs 2-3 chroniqueurs et ils se disent c'est bien, ça buzz. Je vous jure, à chaque fois que je regarde, je me dis, non, là, cette semaine, ça va être quelque chose de différent. Eh ben non, ils font pire, toujours pire. Bref,